Nazana esengo ya kotele malisusu liboso na bino balandi ya quel boule na weekend ya lelo na ebike boza ebele ebele liboso ya ba poste televiseur na bino pona kolanda magazine na bino oyo bolinga ka pe bo prefera mingi quel boule magazine yangoyo ebandi. Désormais, suivez tous les jours sur Cdirect Télévision, votre magazine d'actualité générale quel boule mag à partir de 22h juste. Rediffusion 6h30, 8h30, 13h juste et 18h45. Votre bouquet Canal Plus, Easy, Molotov TV, free sur Canal Kaita 49. Tofungo la édition ya week-end alelo na élément Oyo ya 100e conseil de ministres Oyo ezala ki bongo présidé par Yemoko Mokonzi ya mboka Fatou Beton. Depuis Ebanda, le lundi 100e conseil de ministres, il y a vendredi 2 juin 2023, Oyo Mokonzi ya mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Yemoko Mokonzi président qui yango, boyebi ke zalaka rencontre entre eux, naba ministre, c'est-à-dire chaque ministre zali ko zali ko l'axana secteur nenge makambo zali ko tambola. Bonne melanga ke 100e conseil de ministres Oyo ba point zala ki ebele d'abord esenga ko lakisa voyage Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Chine zala ki mingi mingi pour na ko renforcer coopération bilatérale entre République démocratique du Congo na Chine peli susu surtout li kamba tali économie ya mboka boyebi awa nenge zali toujours ko continuer ko déranger ba congolais. Nasu kanango moko ya ba ministre a sali rapport joke na communication Oyo du renforcement des secteurs de l'énergie et des infrastructures lors de l'élaboration des projets d'investissement public. Le président de la République a encouragé le gouvernement à encadrer et à améliorer sensiblement la budgétisation des investissements publics, en l'occurrence pour l'année 2024. Il a mentionné que cette budgétisation devra s'inscrire également dans une optique pluriannuelle et donc appelle à une parfaite harmonisation entre les projets d'investissement du gouvernement central et ceux de 26 provinces. Le président de la République a souligné l'importance à accorder aux projets d'investissement public dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures qui sont les secteurs structurants. Des projets réalisables à court et à moyen terme renforcera l'intégration géographique de notre pays grâce aux infrastructures routières et ferroviaires. Et sur le volet de l'électricité, cette approche permettra à réduire le gap qui demeure encore important suite à la croissance démographique et à l'augmentation importante des besoins énergétiques des industries. Eh, 5e conseil de ministres, Oyo, to bandiete, cette fois-ci, par rapport yaba ministre, et je permettre bango, bayeba, place ba difficulté zali na ba secteur na bango, ba bongisa rapo, ba congolais, bazo tale labino, nanivo ko saranate. Heke yo! Esengeli koe ba ke Mokonzi ya mboka Fatou Beton, après conseil de ministre akendaki bongo na Luanda, pona ko participer na réunion extraordinaire ya Serge Bolanda, ba détail. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonne nuit, nga kazali bongo ko séjourner awa na Luanda. Pona ko participer na sommet monene, oba bengi sommet extraordinaire ya CIRGL. Et sangisi bongo ba président ebele, surtout président yangolo azali bongo président en exercice ya CIRGL. Nakati awa, ezali mingi mingi pona ko tala situation sécuritaire ya République démocratique du Congo. Pe surtout ko jouer bongo na médiation ko luka dialogue entre RDC na Rwanda, pomi ko Rwanda na RDC za kwa libale ya Mbanda. Papa na mama bakabwani donc moko na gauche moko na droite. Il faut pas luka soti mama kulutu po ya okota makamongo kwa nene ocha kimia. Yangwana Serge lazali toujours ko luka nenga nina ko cha kimia. Pe surtout li susu ko luka ko analyser situation ya Soudan po boyebi mikolo ndonga na ndonga nezali kuna. Me aboni melangake mikole zali ko ya réunion monene ko salema oye ko sangisa EAC Serge pe Seyak pona ko luka nenga nini bako cha kimia na Afrique surtout na est ya République démocratique du Congo. Mais ba Congolais mingi baza ko mituna ba CIRGL ba CEAC ba CAC nyonso na ba kombo RDC kota bima nyonso ba lukaka mais bituma na est si la kate yango ezala ka nini il faut ko landela yango bien po ezo servir na RDC le côté affaire à suivre. Heke yo kuna na ngambu ya Assemblée nationale ba sali bongo commission spéciale po na ko landela pe koyoka honorable Daniel Safu na makambu oyo utikoleka.
communiqué au Bozali Komona Ezali Kotalisake Commission spéciale paix temporaire chargée à audition honorable Daniel Safou et Kozala Bongo lundi 5 juin na 11h pour bapesa ye maloba aya ko s'exprimer par rapport ya makambu nyoso oyo basalaka émission ye nande konaye honorable Mukebayi depuis kaka émission ne le cas honorable Mukebayi mufunge tisikoyo en arrestation ye Daniel Safou tilelo suite na ye mona na raté sans suite so occupé à limoyé so occupé bangunza babomba ye ye moka kanda yebi mena circulation amona na raté commission yo et salemé po baye bakoyoka ye donc lundi nde bakovanda po baye bakotable sort na ye soki akoya ekoye banaka lundi kasi selon règlement d'ordre intérieur ya assemblée nationale honorable Safou soka se présenté après avoir koyoka ye commission oyo bakozwa rapport bate bapesi bongo na bureau assemblée nationale bureau na tour na bango bango après avoir koexaminer bakoya nango na plénière po baye bakotable sur so ya honorable Daniel Safou soki pa yete commission yo ba kozwa rapport ba pesi na bureau pe ba koya nango bongo liboso ya plénière et ba ko jugé kasi na paragraphe moko ya communiqué etalisi ke séance ango eza impérative donc aza obligé aya ba yokayé et bongo soka yété peut-être pe ba ko longo l'immunité parlementaire na ye si manango justice sali musala affaire à suivre. Ekei! Boebi ke procès Mwanga Chouchou ezo continue toujours comme na niveau nini Tolanda. Et salemi na prison Yandolo, audience o ezali ko pose. Honorable Mwanga Chouchou, pe ministère public ya République démocratique du Congo. Vendredi 2 juin 2023, et sika la haute cour établi ki sur ba point belé. Parmi ba point balobelaki ezalaki bongo likambo etali port d'armes oyo honorable Mwanga Chouchou azalaki na yango selon ministère public etali sike arme oyo honorable Mwanga Chouchou azalaki na yango ezalaki arme ya protection te kasi ezalaki bongo arme de guerre nde président ya haute cour militaire abandi ko tout honorable ba question pona kozwa éclaircissement sur question yango. Qu'est-ce qui vous a inspiré, selon votre version, d'aller vers le ministre de l'Intérieur alors que lui étant censé ignorer la loi et à plus forte raison le législateur? Vous saviez bien que pour ces armes-là, ce type d'armes-là, il faut une autorisation spéciale. Yepe tangwazui maloba pona ko répondre honorable Mwanga Chouchou atalisi ke autorisation ya port d'armes a zwa kiango na ministère ya intérieur yokaye. Je suis allé demander au ministre de l'intérieur, il m'a donné cette arme qui me cause des problèmes aujourd'hui. Kasi na question ya koyeba esika zwa ki arme de guerre oyo po eza arme ya protection te yoka question. Enregistrement d'armes d'autodéfense, alors que l'arme concernée, ce n'est pas une arme d'autodéfense, mais c'est une arme de guerre. Baye Kopé, son honorable Mwanga Chouchou, moyen de défense, a expliqué Boyo Kaye. Moi, quand j'ai demandé au ministère de l'Intérieur, le ministère ne m'a pas dit non, cela ne nous regarde pas, il faut aller voir les documents pour demander au président de la République. Il ne m'a pas dit cela. Il m'a dit ok, écrivez. Et puis, j'ai écrit et il m'a envoyé l'autorisation et le permis de port d'armes. Entre-temps, procès ali ko continue et sika ba ko luka bongo ba ye ba kozwa ba éclaircissement nyoso sur ba zone d'ombre oyo ezali na dossier oyo et sengeli ko yeba ke honorable Mwanga Chouchou azali bongo poursuivi po na ba fait belé parmi yango trahison na espionnage affaire oyo eza à suivre ekei na ngambu ya IGF kuna bazolobela éradication financière IGF abeleli. Bon
na ko tenir compte na vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Fatibeton de inspection générale de finances IGF na mokuse avec l'homme de la rigueur Gilles Alingete bazo sala éradication complainte ya délinquance financière oyo bazali ko poursuivre sans désemparer na mission na bango. La lutte contre le détournement des deniers publics est une volonté du chef de l'État. Optant pour trois modes de contrôle, le contrôle a priori, concomitant et a posteriori. Au regard du contrôle a posteriori qui a montré ses limites, l'IGF n'a pas voulu continuer à constater les détournements, raison pour laquelle elle renforce la patrouille financière et avec le contrôle a priori comme mode de prévention. La patrouille financière n'est pas le seul domaine de l'intervention de l'IGF, mais le plus important. Aujourd'hui, l'IGF contribue à la mobilisation des recettes à deux niveaux. Lelo, IGF, baboy komona détournement salema, talatina ba renforcer patrouille financière, pe bazali ko contribuer na ba mobilisation ya ba recettes. Premièrement, cette instance intervient directement dans cette mobilisation de recettes avec mission des contre-vérifications fiscales, mais aussi de l'encadrement direct de la mobilisation des régies financières et des centres de dividendes, des prélèvements d'impôts. Secundo, elle contribue à la mobilisation avec l'instauration de la peur du gendarme. La présence des inspecteurs de l'IGF a apporté un peu plus de civisme. L'arme redoutable de l'IGF pour éviter de constater les détournements des deniers publics est la patrouille financière. Il est important de révéler que la patrouille financière, c'est le contrôle a priori, à ne pas confondre avec la co-gestion. Elle est tout simplement une amplification de contrôle telle qu'elle est pratiquée dans les administrations. La patrouille financière est un contrôle préventif et éducatif. Ici les maximes, mieux vaut prévenir que guérir, prend tout son sens. Boyenez à la car et anormal. Eki! DGAI ya SNEL a pesi bongo bandeko ya komini ya Ngaliema transfert ya sika ba detay na ilema oyo. Sika na yebisa bino ye amemi vision ya chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na makambo etali kolite contre ba couche noire de l'estage na République démocratique du Congo. Yenani, ingénieur, docteur, professeur Teddy Lumba, bah qui c'est la cahier, le pragmatisme dans le sang. Population Yakomi Nangalima, bah Vanda Kakaboye, na quartier Djelo Binta, bah sali, déjà un mois, et si Kakabine Nabango, ezalaki hors service. Transformateur n'ezalaki problème, ne, aussitôt informé, DGAI SNEL, le docteur professeur ingénieur Teddy Lumba a dépêché équipe Yam ingénieur. Bien transfert ya Mumbamba ya Sika ba ye ko remplacer bota la ndenge bazali ko poser yango na présence ya Yemoko DGAI SNEL. Population bazala kawana ba moni ba sepeli ba beti maboko yoka bango. Yemoko pe le professeur docteur ingénieur Teddy Lumba a communiqué ki boyé. Nous sommes dans notre dynamique de remplacement de certains transports avariés dans la ville de Kinshasa. Ici, nous sommes dans la commune d'Engaliema. Ce qui est plus important, c'est que cette cabine a été hors service, ça va faire bientôt un mois, et que la puissance qui était disponible ici était de 200 kVA, que nous avons mis un nouveau transfo de 630 kVA, qui veut dire qu'on a triplé quand même la capacité d'accueil. On aura encore plus d'abonnés qui seront desservis dans cette zone. Et ceci, c'est pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que nous puissions desservir au mieux nos populations en matière d'électricité. Et c'est dans cette dynamique que nous nous inscrivons et nous continuons encore à la matérialiser ici. En tout cas, tika na yebisabino, lelo tembesili, po Kinshasa est commis déjà dans les bons molili et bandi kokende grâce ya mutoyina molili oyo azali ko incarné vision ya chef de l'État na direction générale ya SNEL boyende zalaka ekei. Après Enafep, bana nyonso o bazalaka kuna na commune ya Bumbu na Selemba o basopani kuna na supermarché ya Bumbu tolanda. En tout cas,
Sika na yebisa bino ke super marché ya komina bumbu. Eme mangambu, emo na makambu na yango. Ve dire, na moma ya bonane, batu batonda kawa plein, pour bakangisa ba photo. Eh bongo, après avoir kosa la tena fep ya deux jours, ba finaliste ya 6e primaire, ba ngope, ba lobi 1-1, toke kaka, na site touristique na biso, super marché. Bota la bino moko. Ba ye bele awa, ba komi kotonda na porte, moye ba kota bango nyoso, ezate, nyata, simba, Tindika, tala, tala penande bao tindika ma. Na system kaka yenyata muninga, senga pardon. E loko pe bazali kowele la, ezo ye banate. Nde eti na mupanzi, soko talimu wana wana mobali, asombika dolemo ya muke, azomela. Mususu pe, azana ena mbonga kosombe loko te, aeko tika pichu. Vedi soe pichu asombi biskwi, akatela ye. Kincha sande yangoyo, koka mwa, bapesi vigil o musala, tala ndenga zomeka, koluka kometrize bango, kasi waya. En tout cas, rien que na kotala la kaka ba image oyo, ezo la kisake, Congo, eza penda musika ya développement. Eh, mboka riche, kasi, makamboye leka awa, pardon, talabana, ba si examen, ba yena supermarché, ba kangza ba photo. Koka mouen, yango, parent soza na mwambongo, mi maba anou na supermarché, polongo la bango frous. Tala pena, tala, 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 tani ba, tala, tala pena, tala, 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 tala wana, atindiki mouninga, tala. Pasi, eh. Ekei! Koko ma millionnaire eza facile lelo na République démocratique du Congo grâce à Winner Loto Beta Olonga na 500 francs ya pamba. Winner.bet présente Winner Loto. Tini wana boso beta. Winner. Bonsoir tout le monde, on est samedi 3 juin 2023 et les tirages Winner Loto que j'ai l'honneur de vous présenter proposent un jackpot Win 4 de 13 942 000 francs congolais mais aussi 38 516 000 francs congolais, le Win 4 est double. La condition, vous la connaissez, choisir 4 bons numéros sur vos tickets. L'avez-vous fait? Si oui, nous passons au tirage et 20 chances à plus. Ceci est un tirage qui se déroule sous l'œil vigilant d'un huissier de justice, des officiels Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. Accueillant d'entrée de jeu, le 43, notre premier bon numéro. Et le deuxième bon numéro, le 23. On poursuit pour accueillir cette fois-ci madame monsieur le 35, le troisième bon numéro. Et pour finir, le quatrième et dernier bon numéro, le 32. Et voilà la combinaison gagnante. Madame monsieur, sur votre ticket, il fallait trouver le 43, le 23, le 35, mais aussi le 32. Avez-vous trouvé cette belle combinaison depuis chez vous? Si oui, je vous dis félicitations, sinon avec plaisir, je vous retrouve très prochainement. Bonne fin de semaine à tous. Au revoir. Collation yabana droit na iniki ni le kiki toko sous le haut patronage ya Paul Bindu Musambali Bolanda. Cha formation ya ba jeune ya RDC priorité de priorité ye nani honorable Paul Bindu Musambali ba ki c'est la kayé océan yango ba étudiant ya université ya Kinshasa ba contacté ki ye pour na parrainage ya cérémonie ya collation des grades académiques na faculté ya droit pour na année académique 2021-2022. Bota la bino moko, tozali na palais du peuple, s'il vous plaît. Et si kaye moko seya, a commis. Ba yambiye na comité ya bétidien, ba kota gana salle de spectacle te ba koti, hymne national et beti, cérémonie bandarate et bandi. Comité ya bétidien, ba zui maloba, paye moko, honorable Paul Bindu Musambali, a zui maloba, pour na ko féliciter d'abord ba lauréat, pour na befort baksali, pour ba ko mati, na souka ya ba classe na bango boye. Si mana yango, a expliqué, engagement ou ezala kana yango, pour na formation ya ba jeune. Ezala ki bongo suivi, na remise ya ba diplôme, ka kanenge bozali komona, na présence ya ba famille, pe ba invité ya ndenge na ndenge. Ezala ki bongo, collation des grades académiques, y a faculté de droit, y a université à Kinshasa, na département, y a droit privé
na département droit pénal pena criminologie bota la binomoko bazui ba brevet bien ba médaille ba sepeli s'il vous plaît ba yembi yoke loko yo Yé mon copé pareil événement honorable Paul Bindou Moussambali ba ki c'est la cahier océan a communiqué ki boyé donc tozana esengo pamba été lelo tozui plus de 300 diplômés na droit ba jeune oyo ba koya ko pesa makila ya sika na kati ya magistrature pe na kati ya administration publique donc ezali nde mboka nde gagner lelo parce que mboka est formé bana plus de 300 Obakoya ko pesa un coup de pouce si vous voulez pour rajeunir administration pe magistrature na bisi. En tout cas boyende zalaka po plus de 300 diplômés oyo ba bimbi lelo na faculté ya droit bazui bongo accompagnement ya yemoko honorable Paul Bindou Moussambali po na ko rendre journée oyo possible boyende zalaka po na République démocratique du Congo eza na batu oyo nzamba pambola apesa motema ya ko accompagner ba jeune exemple nango yango yo en tout cas honorable Paul Bindou Moussambali kende liboso po ba jeune bazana sima na bino le Congo a besoin de vous boyende zalaka ekeyo oui Docteur Benjamin Tatete na mama Violette Tatete babengi bino nyonso boya na stade Vélodrome le 10 oyo pona kozwa mateya na tina makambo etali mbasu mbasu ezalaka maladi tote Mbasu, oh mbasu ezalaka kindoki, kindoki te, ezalaka maladi, maladi pete. Yango, couple tatete, epesi bino opportunité, na grande campagne, ya sensibilisation sur makambo etali mbasu. Ekosalema na stade Vélodrome ya Kintambo, na date semoko, samedi 10 juin, à partir ya 9h30. Papa, maman, yo yo zalaka, na problème ya makolo. Oh, de kona yo bela kambasu. Oh, baloba babouke la ye. Oh, zalaka kindoki. Ba question wana nyoso. Oh, kozwa ba réponse tango na campagne oyo. Elongo, na ba orateur lokola. Ye moko le docteur Benjamin Tatete. Les selles, chirurgien vasculaire. Pef le bolok moko tozalaka na ye na RDC. Ako outa Belgique. Uniquement pour la conférence Oyo. P. Madame Violette Tete, infirmière spécialisée na soins de plaie. Boya kotou na ba question, boko zwa ba réponse na Oyo Nyoso et Talimbasu. Et bongo na animation, botou na nganini. Doudou ki binda golache, a koza la wana, pour na ko agrémenter, kaka nenge zalaka, yoke loko yo. DVC médical, docteur Benjamin Tatete. Madame Violette, ta tête. Ah oui, un rendez-vous à ne pas manquer. Samedi 10 juin 2023, à partir de 9h30, na stade Vélodrome, ya Kintambo. Et Keyo, oui. Agro ya mama Amida Chature balancé vente ya masangu evi mavinga. Kinshasa! Tunanga nini? Yasika yeye, yasika koti na wenze. Po AMS Agro SRL, oyo kumba makepa ya madame Amida Chature Kamere, balancé vente ya masango 100% bio, oyo salami awa na mboka na biso. Après récolte ya 500 hectares ya masango, oyo elona makina monga tanantele, eleki na séchage, ti awa nenge bomoni bazoni ka yango kitoko, nyon sezo salama na ba norme nenge sengeli, po ekipe ya AMS Agro, bazo veye surtout na likambo. Tali hygiène. Les lobes congolais basés à Kosepela
po kudia kusabalala non stop et surtout que ça qui a 25 kg et zote comme on a pris très abordable pour na ko permettre moto nyoso ata oteka kamikate o mai tope papier mouchoir ozala na possibilité ya kosomba yango tala na nzungu nenge zolamba makitoko masango eza pembe kitoko pona kolambela fufu tope pona bandeko oyo balingaka komela potopoto ya masango otuninga adresse soki okosomba masango ya AMS Agro wapi leka na basite bukanga lonzo lokola na rompo ipen na route de Matadi juste en face ya station MG Oil kota somba masango na yo na masina na boulevard Lumumba juste na CSO de Mouton oza mobimba ndenge moko na wenzi ya matete pembeni ya couloir Ngwanzu référence paroisse Saint-Alphonse kota somba masango na yo na prix très abordable boye bake masango ya AMS Agro SRL ezali testé pe approuvé na baye batali bokolongono ya nzoto na AMS Agro SRL le plaisir de consommer congolais nzala abu pia ekei. La police ya monga fula de bakangi bongo ba criminel na bakulu na o batiaka désordre na commune na bango bolanda na ba détail oyo. Ndenge bomoni batandami boye na se baza mélangé baya kuluna na baya mokrima krima la police ya commissariat ya monga fula de na kindele nde bataki bango maboko baye ko présenter bango devant population batala bakuluna na ba criminel oyo bazozangisa bango kimia na ba quartier na bango neti oyo alati sengle ya noir ye aza criminel oyo mususu alati polo ya ble yepe criminel ba misusu o batikali bazaba ya kuluna population ba sepeli nde batie bango maboko po ba sale minene ana kindele okoyi kozwa idete neti nde kwa mobali ba pasola mutu na marto ba viola ba mama ba sala makambo ndenge na ndenge yoka ndenge bango ba communiquer ba masto zomona oyo ba deranger biso makasi kuna ba amerike babi nzala te ba amerike kuna babi eloko elo comme on s'arrête mais bango awa ba déranger biso makasi oya bango ba américain ya okata biso ba porta ya kozokisa biso tolembi ne baza boto mona bango lisusu te longonya na la police na musala kitoko bazali ko sala kasi population baleli balobi ba mona bango lisusu ata na misu te po bango pe ba risque ba vie na bango bango pe nde ba okende bwe ba mona na te ba kende ba sibi rigueur à loi po ba o ba tikali et pesa bango leçon po boeza kitoko tin ba kuluna nde ba komi komi mona on dirait bango nde ba okonza mboka eh ba konzi ya l'état boza wapi o ta la population hein nde ba olela chaque fois na ba komi nyonso na ba quartier nyonso kalikula ba kuluna e normal tin eki koka mon avenir zuka na komi na selemba u babwaki mwana izalaki deja zemi ya 7 mois mutalongoli abwaki na balabala na sachet vivant. Komona ndenge babwaki mwana boye en pleine journée na komi na selembao na quartier mwana ntulu précisément na avenue Zuka ezali juste na tunnel oyo esangisa 3 avenue avenue Zuka Vuluzu na prison tunnel oyo nde esangisi ba avenue wana population bavanda kaka na moyi makasi bamona muto motaleki atuti sachet moko vive zalaki wana na se batala boye bamoni oliboka mutu batu bapusani bafungola na kati boye bamoni mwana bagangi batu batonzi kaka ndenge bomoni boye bake kobenga la police baye po na kosala constant ba mama baleli yoka communication kosala makambo ya soni boye pona nini koyokisa biso ba mama soni na kati ya mboka oyo conseil ya babasi soki omoyi kobota kinde so tonga 5 ya 5 ans ezali mama oyo eza masumu combien baoluka bana bavana mabana bien bazoluka bana bazwite en tout cas makambo ya boye eza kitoko ata mukete ba jeune fille tangu bozo kendaka koluka kama makambo il faut boye baka ezalaka pena ba conséquences sikoyo
tala mdela boye neti mwana openza aomona na penza zema 7 mois donc mwana mobimba balongoli nde babwaki eboye tang susu pe mtabwaki ye azaka ka awa na kacha batoyo ye pazoloba mawen mawen. En tout cas, ba kondi ya quartier na la police, bo sala nanu ba enquête na quartier oyo po na koluka nanya salima kambo boye po eza soni pe pasi. Eki! Nde komosi oto lakisa kibino na Congo Central a teta kabandika po na koboko la baleki na ye azwili sungi ko uta na bandeko ya diaspora. Mikoleleke to lakisa kibino awa na province ya Congo Central, précisément na mboko babengi Changa Nord. Ndeko mwasi na kombo ya Malgashi, ya prefera mosala ya koteta, pe kokende koteka banzika po, baleki na ebali ya realiti ya fami na ebo yebi. Grâce ya Quel Boule Magazine, pe bande kwa diaspora, précisément kuna na Canada, ndeko timba bakolela, ayoka ki pasi pe mawa. Nde asala ki geste, ekipe ya Quel Boule Magazine, ekiti awa na Changa Nord. Po na koya koluka ndeko mwasi na kombo ya Malgashi, Malgashi. Toko makate to komi, to luka madame Malgashi boe, pasi pe mawa. Ndeko Malgashi boe, abisi biswa zate, ake yuko tambu isaba kombo po balobi ya mwana ni mtezali na aktivite mikoloyo. Baleki na eba ngoyo bomoni, nenge bazo siete sa siete isaba kombo, tamu susu yeyo. Azubia li nzanza sardine, don riske zalipe nenga zo sala ana, akata natalo boko, azo peta pena tia. Tia, mususu kuno bomoni atanda mido apanzi makolo. Tia, tia bazo benda. Nenga bazo salabu ata tia pamba bamelite. Ata mai ya pamba bamelite balamuki na tongo. Baleki na baleki bafandi. Bazo salamu wa kombo na bangobo. Oba sala kiri boso ya na bangwa keiko kende koteka. Poso ki bazo ata 3000 francs. E permettre na bango. Bali ata mwen loko. Yoka communication ya ndeko. Oyo tango wa komibwe a remettre envelope pa baleki. Po, bango bazo na village msusu. Reporter na biso pazo na village msusu. Mwa zonge zalite. Yangwa préférati que pas balé qui tant bakoya bala qui sayaya famille ou bande qui vivre dans la difficulté alors à travers magazine à Quel Boule tout le monde a monté mon malam à mon ami na Canada timba bakolé là les abenga qui déjà d'abinsa là déjà na tournaé matin des agents naé à Congo Central des naé qu'on remette à mon enveloppe grandir na bango comme d'habitude à zate à kenda qui côté gaba combo. Kuna kumeka ule salibu taka ndenga misana kubeta libanga na hii. Donc envelope na bango ya ngoe kumi. Na remetra bango na preuve ya retri ya bank. Tena! Yona msuso zwa chance. Ula muki na tongo kutana deja manzanza miliki. Osimba koto croissant. Wota la kuna hamburger. Osimba soki creme soki nini. Don olie kusabalalo toni msuso buwe libu mwefimbi. Me awa bano bozo mwona buwe. Kote ba kuzulata lipa pamba. Ba yebite. Kulia na bango na buwale. Nzambe apambola rabata boy. Nzamba apambola na ba bazana likan sonsunga bango lisusu. Heke yo, page rose na édition ya lelo tika to souhaiter heureux anniversaire na Belviana honor ya mwana ngani ya papa Eric Lutete na mama Olga Luzaya diop depuis France. Oyo azo célébrer anniversaire na yemo kona lelo ke di bien ke di bonheur na yo Belviana. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur. Tu mérites, tu vaux tellement pour nous, quelle monnaie ça rend, pour ton salon pour l'amour. En ce jour c'est spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. Nous rendons grâce à Dieu pour les dons que tu es, champion à Botanique. Bokanisi et Sili, Tintin, c'est comme ok? Bonjour. Oui, bonjour. Pardon, Vioko, aide Ngati. Na aide yo. Oui. Pour na vie. Banda tongo 6 heures na lamuka ki. Na otambola, na otambola, na okomate. Place na okende. Mais 6 heures. Oui. Tu kote komi 23 heures. Oui. Le place okende zo komate. Na okomate. Yo utwa. Na évité. Oso kende. Na évité.
Merci pour la confiance et fidélité au Bozaka. Dans mon magazine, na bino quel boule ya lelo et suki awa. Tika tope sambote na famille Akendi Mobimba, papa Akendi Sangya, na ya madomu zaba, ba parent ya Elena Kendi. Bongo te.